J'espère que vous allez bien et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui en ce 10 décembre pour ouvrir les cases numéro 10 de mes calendriers de l'Avent. Donc c'est parti, je vais tout de suite commencer avec celui de chez Lipton, donc le 24 Moment of Tea. Alors le numéro 10, il est juste ici avec les petites guirlandes dans le sapin. Et donc comme d'habitude on a deux petits sachets de thé. Et qu'est-ce qu'on a comme saveur, odeur aujourd'hui? C'est un peu spécial. Ah, c'est le Earl Grey Russian. Donc c'est l'été assez basique, mais de Russie. Donc je sais pas trop si je vais aimer, mais je vais goûter quand même, on verra bien. Je continue avec le calendrier de chez Action. Donc aujourd'hui, on va ouvrir la case numéro 4, qui est juste ici. Ouh, ça va, aujourd'hui c'était assez simple d'ouvrir cette case. Bon, voilà. Alors, on a aujourd'hui une petite étoile filante comme ça, violette, en basse bombe, hein, je le rappelle, hein, c'est un calendrier de basse bombe. Donc elles sont très très bonnes, voilà, pour la petite étoile filante. Continuons avec ce... Ah attends, je le prends mal déjà. Continuons avec le calendrier de chez Party Light, donc le calendrier des bougies. Le numéro 10 est juste ici. On va voir quelle odeur on a aujourd'hui. C'est une petite bougie rouge. C'est la première fois qu'on l'a. Voilà comment elle est. Bon, cette fois-ci, je ne vais pas la pencher parce que deux bougies qui tombent d'affilée, c'est pas possible. Mais en tout cas, elles sont très très bonnes. Et donc, c'est odeur baie d'hiver. Voilà, donc vraiment une jolie petite odeur. Continuons avec les thés, avec le English Tea Shop. Ah oh. Ma griffe. Continuons avec du coup celui d'été. Alors le numéro 10, il est juste ici. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? L'odeur est pas folle folle non plus. Alors du coup je crois qu'hier on avait les épices étranges. Là c'était quoi déjà? Spooky Spice. Et aujourd'hui du coup on a Festive Spice. Donc épices festives. Ça sent quand même meilleur qu'hier, mais bon, on verra du coup au niveau du goût. Le petit calendrier des gourmandises. Alors, le numéro 10, il est où sur ce calendrier? Ah, il est juste ici. Donc c'est une grande... Oula, c'est une grande case comme ça. Hop là, on a un joli petit cadeau. Oh, voilà, au moins un chocolat qui change. On a le Dairy Milk, qui se présente du coup comme ceci. Et donc on va voir le goût à l'intérieur. C'est un petit carré de chocolat comme ça. Oh, oh, je vais me casser les dents encore là-dessus. Mmh. Et là, il craque. Oh. Ok. Donc c'est comme ça à l'intérieur en fait. C'est rempli de chocolat mais vraiment tout dur. Il n'y a pas de crème ou quoi que ce soit. Donc un petit peu comme du Milka. Donc ça va, c'est bon, mais on se casserait les dents là-dessus, quoi. Et je termine, bien entendu, avec celui de Ben HPTS, le calendrier Harry Potter. Alors, cherchons le numéro 10. Oh, bah, il est juste ici. Voilà, dans une petite enveloppe noire comme hier. Bon, par contre, là, je suis sûre que c'est pas un sticker, parce que c'est assez épais, comme un petit calepin, on dirait, comme un petit, ouais, comme un petit livret. Voyons voir, du coup, ce que c'est à l'intérieur. Oula, je déchire tout. Et donc, oh oui, c'est un petit calepin comme le numéro 1 qu'on a eu dans ce calendrier de l'Avent. Et cette fois-ci, c'est un calepin, un petit cahier noir avec Edwige juste ici en doré comme ça, hyper joli. Et pareil, derrière, il y a le petit Harry Potter comme ça. Et tout comme le premier, on a propriété of... enfin, le petit livret est propriété de l'école Poudlard. Et donc à l'intérieur, ce sont des petites pages lignées comme le premier de ce calendrier. Avec des petites étoiles, Hogwarts juste là. Donc franchement, moi j'aime bien. Un petit carnet encore une fois,
Franchement, j'aime beaucoup. C'est une bonne surprise pour ce numéro 10. Donc, on verra demain ce qu'on aura pour le numéro 11. Donc, voilà pour mes cases numéro 10 de tous mes calendriers de l'Avent. J'espère que ça t'aura plu. Dis-moi en commentaire ce que tu as eu, toi, dans ton calendrier de l'Avent ce matin. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas, comme d'habitude, à laisser un pouce bleu, à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Les liens sont en barre d'infos. À t'abonner toujours gratuitement à ma chaîne en cliquant sur s'abonner qui est juste ici ou sur ma petite tête qui apparaît juste là. Et quant à moi, je te fais comme d'habitude, plein de gros bisous, porte-toi bien, à la prochaine, salut! À demain!